au début, quand au travail, là où je travaille comme concierge, dans un entrepôt pour de véhicules de toutes sortes, avant le gros garage, il y a des gars, il y a des clients qui passent par là, puis qui me voient depuis 12 ans que je suis là maintenant, qui me voient, puis avec qui j'entretiens des conversations le midi, pendant le lunch, on mange ensemble, et puis finalement, au fil du temps, on parle un peu de nos petites affaires, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Puis moi, ben, j'ai commencé à lui parler de cette idée-là, du concierge qui veut sortir de sa cave, et puis qui a rencontré son collègue, un collègue de longue date, le vagabond, et puis que lui-même est marié avec la jardinière, et puis que le gars, il cherche à améliorer son sort simplement, trouver de quoi faire pour l'avenir. Je veux dire, comment je vais faire? Moi, j'ai pas de fonds de pension. Il faut que, garde, je commence à avoir de la misère à marcher un peu, là. Il faudrait pas qu'il m'arrive à rien, parce que je vais tomber où, moi, là? Il me reste encore du temps devant moi, je veux dire, j'ai un 63, là. Aujourd'hui qu'on vit longtemps, pour, tu sais, une fois la promesse de vivre longtemps, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Regarde, 63, moi j'ai rien devant moi, regarde, j'ai 4 000 $, 4 800 peut-être, là, d'épargne retraite. Hein, si tu veux prendre ça de l'épargne retraite, aujourd'hui, quand tu fais 13 $ à l'heure, hein, si tu veux prendre d'épargne, regarde, ça c'est un sport pour les riches, ça, c'est pour ceux qui ont de l'argent, ça. Moi, riche, ça veut dire, c'est pas obligé d'être très riche, mais tu n'as assez pour prendre un fonds de retraite. S'il faut que tu payes pour tes 20-30 prochaines années, il faut trop bien te donner les moyens de le faire. Si on ne te les donne pas, c'est comme une condamnation à mort de bonheur, puis de, point que ça, tu souffrais quand t'en allais. Dis, regarde, point que ça, regarde, un gars arrive à 50 ans, il regarde en avant, il n'est pas sûr qu'il va en avoir assez, puis plus il avance, moins il est sûr d'en avoir assez, il commence déjà à s'énerver depuis 50 ans, le gars, là. Hein? Puis s'il n'est pas fou, il avait passé avant, il sait bien qu'on est en train de se faire avoir. Puis la gang, regarde, moi, je suis pour contribuer le plus longtemps possible, tu me demandes. Puis après ça, rendu au bout, tu n'auras rien. Tu n'es même pas sûr que tu vas pouvoir manger. Tu n'es même pas sûr. Regarde, moi, je regarde des gens qui sont poignés sur le trottoir, j'en reviens pas. J'en reviens pas, on n'a pas trouvé de solution à ça encore. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a pas un être humain qui veut vivre comme ça. Comment ça se fait qu'on en a chez nous de même? Alors, le payeur d'or, lui, veut changer ça. C'est ça l'histoire. Le rêve du concierge, moi, c'est que ça marche droite dans la cabane. Puis que ça soit droite pour tout le monde. Puis que ça soit quelque chose de raisonnable pour tout le monde, tu sais. Comprends-tu? C'est ça qu'on demande. Mais là, les abus personnels, les intérêts cachés, les ci, les ça, les je suis obligé de faire de même parce que le système là, marche comme ça. Puis, vois-tu, là, regarde. Hein? Je veux dire que le talent et la beauté du talent et le travail, la beauté du travail sont recyclés dans des valeurs humaines, humanisantes. Puis que tout ça, ça soit orienté dans un plus grand jardin botanique plein de terre qui n'a pas trouvé une manière tout de suite de fonctionner pour se chauffer avec de la matière qu'on a découvert aujourd'hui. Tu me diras, mais trouve-les, au lieu de se casser la tête pour trouver comment faire plus d'argent sur le dos des pauvres, cassons-nous la tête pour savoir comment avoir des sources d'énergie renouvelables tout de suite. Pour qu'on puisse enfin planter des jardins partout, pour que l'humidité se réinstalle, que les climats arrêtent les effets de gaz de serre, on dit, oui, on est capable de faire ça. Puis moi, je peux pas croire que la majorité silencieuse, qui je le pense n'est pas silencieuse dans son cœur, si la majorité silencieuse décidait de changer le monde elle aussi, on serait une grosse gang de rêveurs équitables sur la planète, qui sont en train de bâtir un nouveau pays qu'on désire être le pays œuvre d'art, où chaque être humain a une vie personnelle en devenir d'une œuvre d'art.